vous êtes ici et maintenant. Pour qu'on arrête cette guerre et tout le reste, on le réglera après. On mène des vies où dans nos cœurs, il y a comme des précipices. Alors je m'y promets de pas céder, ouais, c'est ce qu'on s'est promis. Mais comment faire un paradis qui plus c'est comme l'enfer. Les anges en chanson, près des folles en chanson, c'est rare de voir les chansons. Une guerre civile, nous voulons qu'elle s'arrête, nous voulons commencer à parler avec le peuple qui nous faut. On mène des vies où dans nos cœurs y'a comme des précipices. Le long je m'y promène, de pas céder, ouais c'est ce qu'on s'est promis. Vous êtes dans l'univers. Vous êtes sur le point de vous diviser. Respirez un grand coup. Allez-y, pour de vrai. Ce qui se passe est bien réel. Vous êtes sur Terre. Sur Terre, il est 16h à Los Angeles, 21h à Rio de Janeiro, 3h du matin à Moscou, Bagdad et Madagascar, 8h du matin à Taïwan et sur la côte ouest de l'Australie. Sur la côte est de l'Australie, en revanche, il est déjà 10h du matin. À Kinshasa, au Bénin, à Varsovie, ainsi qu'en Suède et chez la plupart de vos mères, il n'est ni 23h59, ni 0h01, mais très exactement minuit. Vous êtes à Porquerolles. Lorsqu'il est minuit à Porquerolles, comme en n'importe quel point de l'espace et du temps, chaque instant se divise en une infinité de réalités possibles qui se divisent à leur tour en une infinité de réalités possibles. À chacune de ces réalités alternatives correspond une longueur d'onde et donc une couleur. À Porquerolles, les pommes sont soumises à la loi de la gravité et de fait, lorsqu'on lâche une pomme, elle tombe. Parmi la multitude des scénarios possibles lorsqu'on lâche une pomme à Porquerolles, les lois de la physique sont formelles. Elle tombera toujours. En d'autres points de l'espace et du temps, cependant, on observe que la pomme est soumise aux lois de la physique d'un réel qui nous demeure étranger. L'espace-temps s'est déjà divisé et continue de le faire en une infinité de réels dans lesquels la pomme soit s'aplatit, soit rebondit, soit flotte en l'air. La scène à laquelle vous assistez est un montage vidéo truqué mais s'inspire de faits réels. Elle s'est déroulée le 11 septembre 2001 mais en un autre point de l'espace et du temps que celui dont nous tous ici avons pu partager l'expérience. C'est parce que cette scène n'a pas eu lieu dans notre réalité que je ne dispose pas du rush original. Les pommes qui tombent, s'écrasent ou rebondissent, les avions qui percutent les tours ou poursuivent leur chemin, ces situations sont toutes réelles. Elles appartiennent simplement à des réalités dont on ne peut pas faire l'expérience. En tout cas, pas ici et maintenant. La société, y a que des traîtres dans ses rangs. Et
on sait plus manier les plis, on s'enfonce, on est plein et on s'enfonce, on est plein. La peur c'est seulement qu'on sait plus. On mène des vies où dans nos cœurs rien comme des précipices. Le long je m'y promène. L'amour c'est ce que je prônais. Pourtant avec le beau-père jamais on se comprenait. Ici et maintenant, un acteur a surgi de derrière la toile et simulé une terrible fusillade. Mais c'est du cinéma et tout le monde se porte bien. Vous êtes tranquillement installé devant un film et vous vous sentez en sécurité. Dans une réalité alternative, en revanche, 50 personnes ont été abattues froidement le 25 octobre sur la place du village de Porquerolles. Comment discerner le faux du vrai? Ces roses pour qu'elles poussent, on a des engrais. Des cordes polymères où les pauvres y meurent. Le fleuriste est riche sur la promenade des Anglais. Cet événement a bel et bien eu lieu, mais il s'est déroulé à un autre point de l'espace et du temps. Considérez que vous venez de vous faire abattre. Ailleurs. Loin. Ou peut-être tout près. Mais comment faire? Mais comment faire? Un paradis qui brûle, c'est comme l'enfer. L'important, c'est pas la destination, c'est le voyage.